Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons de bénir et de sanctifier ce pain pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir de mon corps. Et te témoigne, ô Dieu, Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de Jésus-Christ, se souvenir toujours de moi et garder les commandements que je leur ai donnés, afin qu'ils aient toujours mon esprit avec eux. Amen. Celui qui mange de ce pain mange de mon corps pour son âme. Et celui qui boit de ce vin boit de mon sang pour son âme. Et son âme n'aura jamais faim ni soif, mais sera rassasiée. Maintenant, je finis d'accomplir le commandement que le Père m'a donné concernant ce peuple qui est un reste de la maison d'Israël. Vous vous souvenez que je vous ai parlé et dit que lorsque les paroles d'Ésaïe s'accompliraient, voici, elles sont écrites, vous les avez devant vous, c'est pourquoi sondez-les. Et lorsqu'elles seront accomplies, alors s'accomplira l'alliance que le Père a faite avec son peuple, ô maison d'Israël. Et alors les restes qui seront dispersés sur la surface de la terre seront rassemblés de l'est et de l'ouest et du sud et du nord. Et ils seront amenés à connaître le Seigneur, leur Dieu, qui les a rachetés. Et je rassemblerai mon peuple comme un homme rassemble ses gerbes dans l'air. Et j'établirai ce peuple dans ce pays pour l'accomplissement de l'alliance que j'ai faite avec votre père Jacob. Et il sera une nouvelle Jérusalem. Et les puissances du ciel seront au milieu de ce peuple. Oui, je serai moi-même au milieu de vous. Vous êtes les enfants des prophètes, et vous êtes de la maison d'Israël. Et vous êtes de l'alliance que le Père a faite avec vos pères, disant à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Le Père m'ayant ressuscité d'abord pour vous, et m'ayant envoyé vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités, et cela parce que vous êtes les enfants de l'Alliance. Et je me souviendrai de l'Alliance que j'ai faite avec mon peuple. Et j'ai fait alliance avec lui que je le rassemblerai lorsque je le jugerai bon, que je lui rendrai en héritage le pays de ses pères, qui est le pays de Jérusalem, qui est pour lui la terre promise à jamais, dit le Père. Et il arrivera que le moment vient où la plénitude de mon évangile lui sera prêchée. Et il croira en moi, il croira que je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et priera le Père en mon nom. Et alors il dira qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui lui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui lui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne ». Toutes ces choses arriveront certainement, comme le Père me l'a commandé. Alors cette alliance que le Père a faite avec son peuple sera accomplie. Et alors Jérusalem sera de nouveau habitée par mon peuple, et elle sera le pays de son héritage.
Je vous donne un signe, afin que vous connaissiez le moment où ces choses seront sur le point de se produire. Que je rassemblerai mon peuple de sa longue dispersion, ô maison d'Israël, et établirai de nouveau ma Sion parmi eux. Lorsque ces choses que je vous annonce seront révélées aux gentils, afin qu'ils soient informés sur ce peuple qui est un reste de la maison de Jacob, lorsque ces choses leur seront révélées par le Père et viendront du Père et d'eux à vous. Car le Père juge sage qu'ils soient établis dans ce pays et installés comme peuple libre par le pouvoir du Père, afin que ces choses viennent d'eux à un reste de votre postérité, afin que soit accomplie l'alliance que le Père a conclue avec son peuple, ô maison d'Israël. C'est pourquoi, lorsque ces œuvres et les œuvres qui seront accomplies plus tard parmi vous viendront des gentils à votre postérité qui aura dégénéré dans l'incrédulité à cause de l'iniquité, car c'est ainsi qu'il convient au Père que cela vienne des gentils, pour montrer son pouvoir aux gentils, afin que si les gentils ne s'endurcissent pas le cœur, ils puissent se repentir et venir à moi et être baptisés en mon nom et connaître les vrais points de ma doctrine, afin d'être compté parmi mon peuple, ô maison d'Israël. Et lorsque ces choses arriveront, que ta postérité commencera à savoir ces choses, ce sera pour elle un signe afin qu'elle sache que l'œuvre du Père a déjà commencé pour accomplir l'alliance qu'il a faite avec le peuple qui est de la maison d'Israël. Car en ce jour-là, le Père accomplira à cause de moi une œuvre qui sera une œuvre grande et merveilleuse parmi eux. Et il y en aura parmi eux qui n'y croiront pas, bien qu'un homme la leur annoncera. Mais voici, la vie de mon serviteur sera dans ma main. C'est pourquoi ils ne lui feront pas de mal, bien qu'il sera défiguré à cause d'eux. Néanmoins, je le guérirai, car je leur montrerai que ma sagesse est plus grande que la ruse du diable. Malheur aux gentils, à moins qu'ils ne se repentent. Mais s'ils se repentent, et écoute mes paroles, et ne s'endurcissent pas le cœur, j'établirai mon Église parmi eux. Et ils entreront dans l'Alliance, et seront comptés parmi ce reste, le reste de Jacob, à qui j'ai donné ce pays pour son héritage. Et ils aideront mon peuple, le reste de Jacob, et aussi tous ceux de la maison d'Israël qui viendront à bâtir une ville qui sera appelée la Nouvelle Jérusalem. Et alors ils aideront mon peuple, qui est dispersé sur toute la surface du pays afin qu'il soit rassemblé à la Nouvelle Jérusalem. Et alors le pouvoir du ciel descendra parmi eux, et je serai aussi au milieu. Et alors l'œuvre du Père commencera ce jour-là, c'est-à-dire lorsque cet évangile sera prêché parmi le reste de ce peuple. En vérité, je vous le dis, ce jour-là, l'œuvre du Père commencera parmi tous les dispersés de mon peuple. Oui, les tribus qui ont été perdues, que le Père a emmenées de Jérusalem. Oui, l'œuvre du Père commencera parmi tous les dispersés de mon peuple, pour préparer le chemin par lequel ils pourront venir à moi, afin de pouvoir invoquer le Père en mon nom. Et alors l'œuvre du Père commencera parmi toutes les nations, pour préparer le chemin par lequel son peuple pourra être rassemblé chez lui, au pays de son héritage. Et alors arrivera ce qui est écrit par Ésaïe. Réjouis-toi, toi stérile, qui n'enfante plus. Fais éclater ton allégresse. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Tous tes fils seront disciples du Seigneur, et grande sera la prospérité de tes fils. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit le Seigneur. Je vous donne le commandement de sonder diligemment ces choses,
car grandes sont les paroles d'Ésaïe. Car assurément, il a parlé de tout ce qui concerne mon peuple qui est de la maison d'Israël. C'est pourquoi il faut nécessairement qu'il parle aussi aux gentils. Et tout ce qu'il a dit a été et sera, selon les paroles qu'il a dites. Prêtez attention à mes paroles. Écrivez les choses que je vous ai dites. Et selon le moment et la volonté du Père, cela ira aux gentils. Et quiconque écoute mes paroles et se repent et est baptisé, celui-là sera sauvé. Sondez les prophètes, car il y en a beaucoup qui témoignent de ces choses.